Dans le livre de Luc, in the book of Luke, chapitre 1, chapter 1, versets 68 à 75. Verse 68 to 75. Luc, chapitre 1, 68 à 75. Luke 1, 68 to 75. Luc, chapitre 1, du verset 68 au verset 75. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Amen. Luke chapter 1, reading from verse 68 to 75. Praise be the Lord, the God of Israel, because he has come and has redeemed his people. He has raised up a horn of salvation for us in the house of his servant David, as he said through his holy prophet of long ago. Salvation from our enemies and from the hand of all who hate us, to show mercy to our fathers and to remember his holy covenant, the oath he swore to our father Abraham, to rescue us from the hand of our enemies and to enable us to serve him without fear in holiness and righteousness before him all our days. Amen. Alléluia. Praise the Lord. Cette parole, this word, dit que dans le dessein de Dieu, says that in the purposes of God, l'homme doit être délivré. Man must be delivered avant de servir Dieu. Before serving God. Avant de pouvoir servir Dieu sans crainte. Before being able to serve God without fear. Tu peux servir Dieu. You can serve God. Rempli de crainte. Full with fear. D'hésitation. Of hesitations. À cause de l'oppression des ennemis. Because of the oppression of the enemies. Lire le verset 75. Read verse 75. En marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Nous sommes sauvés. We are saved. Pour marcher devant Dieu. In order to walk before God. Dans la sainteté et dans la justice. In holiness and righteousness. En servant Dieu sans crainte. Serving him without fear. Écoutez ça très bien. Listen to this carefully. Que personne ne vous trompe. Let no one deceive you. Que quand tu es un vrai enfant de Dieu, tu n'as pas besoin de délivrance. That when you are a true child of God, you don't need deliverance. On devient enfant de Dieu en donnant sa vie au Seigneur Jésus, comme en acceptant Jésus comme son sauveur et Seigneur personnel. You become a child of God by accepting the Lord Jesus Christ as your Lord and personal Savior. Il n'y a pas une autre condition. There is no other condition. Pour être appelé enfant de Dieu. In order to be called a child of God. Tu acceptes Jésus. You accept Jesus. Comme ton sauveur et Seigneur personnel. As your personal Lord and Savior. C'est un engagement de la foi. It is a commitment of faith.
que Dieu honore authentiquement. That God honors genuinely. En posant sur toi la marque de son esprit. By laying on you the mark of his spirit. Et en te déclarant juste. And by declaring you righteous. Tu n'es même pas encore juste, mais Dieu te déclare juste. You are not yet righteous, but God declares you righteous. Et le Saint-Esprit and the Holy Spirit commence à t'enseigner comment appeler Dieu ton Père. Start teaching you how to call God your Father. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Si tu n'es pas délivré après ta conversion, if you are not delivered after your conversion, tu vas retrograder. You will backslide. Tu vas retrograder. You will backslide. Parce que l'ennemi va te poursuivre. Because the enemy will pursue you. Pour te ramener dans les péchés que tu as abandonnés. In order to bring you back in the sins that you've abandoned. La Bible dit. The Bible says. Que quand Dieu avait fait sortir Israël de l'Égypte. That when God took out Israel from Egypt. Pharaon a pris 600 chars d'élite. Pharaoh took 600 chariots. C'est-à-dire les chars conduits par des officiers supérieurs. That means chariots which were led by superior officials. Les chars d'élite. They were chariots elite. 600. 600. Et il a demandé à tous les chars. And they asked all the chariots, tous les chars du pays, all the chariots of the country, de venir, to come. Il y avait donc tous les chars du pays, and there were all the chariots of the country. Et il y avait 600 chars d'élite, and there were 600 chariots d'élite. Pour faire quoi? For what? Pour poursuivre les enfants d'Israël et les ramener en Égypte. In order to pursue the children of Israel and bring them back to Egypt. C'est une opération telle que si la délivrance n'est pas totale, si la main qui t'a sorti du monde n'est pas puissante, le démon te ramène, l'ennemi te ramène. It is an operation whereby if the hand that brought you out of the world is not powerful, the demon is going to take you back. C'est-à-dire si cette main, si l'œuvre de cette main n'est pas accompagnée, meaning if the, d'une grande délivrance, tu ne peux pas aller loin. Of that work is not accompanied by a great deliverance, you can go further. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Il y a un travail que there le diable fait work that pour the devil ramener does in order to bring back ceux qui sont sortis. Those who came out. Tu abandonnes la bière. You abandon beer. Tous les démons de la bière. All the demons of beer. Vont se mobiliser. They will mobilize themselves. Parce que leur esclave est sorti. Because their slave has gone out. Tu commettais l'adultère. You were committing adultery. Tu sors. You come out. Tous les démons de l'adultère. All the demons of adultery. Vont te poursuivre. They will pursue you. Leur esclave s'est évadé. Leur esclave a fui. Their slave has escaped. Si la délivrance n'accompagne pas cette opération. If deliverance doesn't accompany that operation, on ne peut pas aller loin. You can't go further. Et lis pour nous Jean 11, verset 44. John 11, verse 44. Jean chapitre 11, je lis le verset 44. John 11, 44. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. John 11, verse 44.
The dead man came out, his hands and feet wrapped with strips of linen, and a cloth around his face. Jesus says to them, take off the grave clothes and let him go. Amen. Quand Jésus a ressuscité Lazare, when Jesus rose up Lazarus, Lazare est sorti de la tombe. Lazarus came out from the grave. Mais il était encore lié. But he was still bound. Il était déjà vivant. He was already alive. Hors de la tombe. Out of the grave. Mais lié. But bound. Et Jésus a dit. And Jesus said. Déliez-le. Untie him. Et laissez-le aller. And let him go. S'il n'est pas délié. If he's not untied. Voici comment il va marcher. This is the way he's going to walk. Est-ce qu'il peut servir Dieu? Can he serve God? Déliez-le. Untie him. Et laissez-le aller. And let him go. Jésus-Christ. Ressuscité. Resurrected. Et délié. And untie. Quand tu négliges la délivrance. When you neglect deliverance. Ou quand ton père en Christ. Or when your father in Christ. Néglige la délivrance. Neglect deliverance. Les démons ne vont pas te permettre d'être spirituel. Demons will not allow you to be spiritual. C'est ce que les gens ne comprennent pas. This is what people don't understand. Il y en a qui disent non, un enfant de Dieu ne peut pas avoir des démons. There are some who say no, a child of God cannot have demons. La question n'est pas là. That's not the question. La question c'est que l'enfant que tu appelles enfant de Dieu là. The question is the child you are calling child of God. Dit. Says. Qu'un serpent l'a mordu en songe. That a snake bit him in a dream. Ton enfant là. So your child dit, says. Qu'un mari de nuit a couché avec elle. That a spiritual husband slept with her. Et qu'elle était enceinte. And that she was pregnant. Et que la grossesse est tombée. And that the pregnancy fell off. Toi tu dis que non, ça ne peut pas tomber, c'est un enfant de Dieu. You say no, it cannot fall. It's a child of God. Le serpent m'a mordu. Quand je me suis réveillé, c'est tombé, c'est fini. The snake bit me when I woke up. It fell. Tu lui dis c'est le hasard. You said it's a coincidence. Il te dit la deuxième grossesse, c'est la même le même scénario, c'est tombé encore. He said it's hazard, and the same pregnancy, the other pregnancy is still fallen. Cette fois-ci, this time around, j'ai vu une vieille maman qui m'a touché. She said, I saw an old woman who touched my belly. Donc tu lui dis non, un enfant de Dieu ne peut pas avoir les démons. He said, no, a child of God cannot have demons. Troisième grossesse. Third pregnancy. Il te dit que ah, je suis encore enceinte, mais j'ai peur. See, I am pregnant, but I'm afraid. Que ça va passer comme les autres. That the pregnancy will fall like the others. Dieu, ça ne va pas passer. Tu es un enfant de Dieu, il n'y a he pas de démons. It will not fall. You are a child of God. There are no demons. Une vieille maman vient encore dans le son, met la main dans le ventre, tire l'enfant et jette en brousse. An old woman came in the dream and put her hand in your stomach and pulls out the child and throw him in the bush. Le matin, le sang. In the morning, blood. La grossesse s'est gâtée. The pregnancy has fallen. Comment tu vas expliquer ça? How are you going to explain this? Tu lui dis, il n'y a pas de délivrance. Il est déjà délivré, c'est fini. You tell him that there's no deliverance. He's already delivered. It's over. Tu lui dis non, tu n'as pas cru. Il te dit mon pasteur, j'ai cru. You say no, you have not believed. He says, pastor, I have believed. Il te dit la vérité, j'ai cru. Say, I'm telling you the truth. I have believed. J'aime Jésus. I love Jesus. La vérité. The truth. C'est qu'il faut payer le prix. Is that the price must be paid. Pour que le croyant en Christ soit délivré de ses ennemis. So that the believer in Christ be delivered from his enemies. Il est ressuscité. He rose. Il doit être délié. He must be untied. Pour marcher librement. In order to walk freely. En servant Dieu. By serving God. Sans crainte.
without fear. En marchant dans la justice et dans la sainteté. Walking in righteousness and holiness. Tous les jours de sa vie. All the days of his life. Servant Dieu sans crainte. Serving God without fear. Sans oppression. Without oppression. C'est ça qu'il faut poursuivre. This is what you have to pursue. Donc, ne sois pas étonné que une sœur en Christ te dise que le démon est sorti de moi, un esprit humain est sorti de moi. So don't be surprised that a sister in Christ tells you that the demon came out of me, a human spirit came out of me. Il attendait. He was waiting. Qu'on le déloge. That he should be dislodged. Et le combat n'avait pas encore atteint ce niveau-là. And the warfare had not gotten to this level. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Retenez cela. Keep this in mind. Quand les ennemis, quand les esprits sont encore dans ta vie, when the enemies, the spirits are still in your life, ils te troublent. They trouble you. Même tes méditations ne sont pas inspirées. Even your meditations are not inspired. C'est eux qui te parlent. They are the ones speaking to you. Tu peux annoncer des choses qui ne s'accomplissent jamais. You can proclaim things who will never be accomplished. Et tu peux avoir un courage démoniaque d'annoncer des choses sans l'accord du Saint-Esprit. And you can have a demonic courage to announce things without the Holy Spirit. Tu es confus. You are confused. Tu remarques dans ton caractère que tu n'es pas stable. You notice that in your character you are unstable. Tu peux bavarder exagérément. You can speak a lot. Tu ris exagérément. Or you laugh a lot. Tu peux manger exagérément. Or you can eat a lot. Même quand tu ne veux pas. Even when you don't want. Tu manges. You eat. Il y avait un jeune homme, on l'appelait le porc. Il mangeait tout. There was a young man. He was called the pig. He eats everything. Tu dois rechercher la délivrance. You must seek for deliverance. Tu ne dois pas avoir honte de rechercher ta délivrance. You shouldn't be ashamed to seek for deliverance. Tu dois renverser les idoles. You must overthrow idols. Pour la plénitude du Saint-Esprit. In order to have the fullness of the Holy Spirit. Et pendant que tu es assis là, tu dis, Seigneur, pardonne-moi, je vais le faire. Even while you are seated, you say, Lord, forgive me, I will do it. Tu fais. And you do it. Et le Seigneur te remplit du Saint-Esprit. And the Lord fills you up with the Holy Spirit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit en toi. It is the work of the Holy Spirit in you. Qui produit la maturité spirituelle. Which produces spiritual maturity. C'est quand tu atteins cette maturité. It is when you've gotten to that maturity que tu entres à la conquête de ton héritage. That you get into the conquest of your heritage. Et là, le Saint-Esprit te conduit de progrès en progrès. And there the Holy Spirit leads you from progress to progress. Tu peux grandir en Christ. You can grow in Christ. Tu ne seras pas parfait. You will not be perfect. Avant le retour de Christ. Before the coming, before the return of Jesus, but you will be matured. La maturité spirituelle est possible maintenant même avant l'arrivée de Christ. Spiritual maturity is possible now before the return of Jesus. La perfection va se réaliser quand Jésus va se manifester à chacun de nous. Perfection is going to come into existence when Jesus will manifest himself to each one of us. Nous allons revêtir ce qu'on appelle l'incorruptibilité. We are going to wear what is called incorruptibility. Il n'y aura plus de maladie. There will be no more sickness. Il n'y aura plus la tentation. There will be no temptation. Nous allons connaître le Dieu tel qu'il nous a connus. We are going to know God the way he has known us. Directement.
directly. Il n'y aura pas de film. There will be no movie. Il n'y aura pas les boutons, pas de caries dentaires. There will be no toothache, no pimples. Le corps devient parfait, l'âme parfaite, l'esprit parfait. The body becomes perfect, the soul perfect, the spirit perfect. Et le Seigneur est en train de l'accomplir. And the Lord is accomplishing it. Mais ce qu'il nous demande maintenant, but what he's asking us right now, c'est que nous soyons mûrs, is that we should be matured. Comme il dit dans Ephésiens chapitre 4, like he says in Ephesians 4, verset 13 à 16, verse 13 to 16, nous devons être comme Jésus, we must be like Jesus, selon la stature parfaite de Christ, according to the perfect way of Christ. Personne ne doit être ballotté par un vent de doctrine. No one should be tossed around by the wind of doctrine. Chacun doit travailler pour atteindre un niveau où on ne peut plus le tromper. Each one must work to get to the level where he can no more be deceived. Que on ne peut plus te manipuler. That you can no more be manipulated. À travers des versets bibliques. Through Bible verses. Quelqu'un peut utiliser la Bible pour t'exploiter. Someone can use the Bible in order to exploit you. Tu dois être intelligent pour savoir que ça c'est un escroc. You must be intelligent to know that this one is a crook. Qui manipule les versets bibliques pour me tromper. Who manipulates the Bible verses in order to deceive me. Pour désarmer ma curiosité, mon attention. In order to disarm my attention and focus. Tu dois être mûr. You must be matured. Tu dois connaître qui est Jésus. You must know who is Jesus. Si tu ne le connais pas, quelqu'un viendra te le vendre. If you don't know him, someone will come and sell him to you. Et avec beaucoup d'argent. And with so much money. Tu seras misérable. You will be miserable. Tu dois connaître qui est Christ. You must know who is Christ. Tu dois te connaître. You must know yourself. Personne ne doit te tromper. No one should deceive you. Et lis un peu 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens 1. Comment dans Romains, lis Romains chapitre 1, verset 1 à 2 ou à 3. Romans 1, 1 to 2 or 3. Romains chapitre 1, du verset 1 au verset 3. Paul. 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 Serviteur de Jésus-Christ. Serviteur de Jésus-Christ. Servant of the Lord Jesus. Appelé à être apôtre. Appelé à être apôtre. Called to be an apostle. Mis à part. Mis à part. Set apart. Pour annoncer l'évangile de Dieu. Pour annoncer l'évangile de Dieu. To proclaim the gospel of God. Qui avait été promis. Qui avait été promis. Which was promised. Auparavant de la part de Dieu. Etc. Paul. Paul. Serviteur de Dieu. Servant of the Lord. Appelé à être apôtre. Called to be apostle. Lis 1 Corinthiens chapitre 1 verset 1. Read 1 tu Corinthians dois te connaître, 1. Tu dois pouvoir te présenter toi-même. You must know yourself. You should be able to present yourself. Sinon, un bandit va te dire que tu n'es rien. If not, a bandit will tell you that you are nothing. Et les démons vont te résister pour rien. And the demons will resist you for nothing. Lis. Paul. 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 Appelé à être apôtre. Appelé à être apôtre. Called to be apostle. De Jésus-Christ. De Jésus-Christ. Of Jesus Christ. Par la volonté de Dieu. Par la volonté de Dieu. Through the will of God. Et le frère Sostène. Par la volonté. Pourquoi Paul parle Paul? Les gens voulaient dénigrer Paul. Il ne connaît pas Jésus, il n'est pas apôtre. People wanted to despise Paul, that he doesn't know Jesus, he's not an apostle. Il n'était pas fleque-fleque. He was not fleque-fleque. Lis 1 Corinthiens 2, verset 1 et 2. Read 1 Corinthians 2, verse. Non, 2 Corinthiens, pardon. 2 Corinthians. 2 Corinthiens chapitre 2, du verset 1 au verset 2. Je résolus donc en moi-même de ne pas retourner. Excusez-moi. Je résolus donc en moi-même de ne pas retourner chez vous dans la tristesse. Je suis dans 2 Corinthiens chapitre 1. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 1 à 2. 2 Corinthiens. Pas 1 Corinthiens chapitre 2. J'ai dit 2 Corinthiens. Chapitre 1, verset 1 à 2. 2 Corinthiens, chapitre 1, du verset 1 au verset 2. Paul. 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 Apôtre de Jésus-Christ. Apôtre de Jésus-Christ. Apostle of the Lord Jesus. Par la volonté de Dieu. Par la volonté de Dieu. Through the will of God. Ça ne dépend pas de ses ennemis.
He doesn't depend on his enemies. Par la volonté de Dieu. Through the will of God. Etc. Etc. And so on. Tu dois te connaître. You must know yourself. Tu dois être mûr. You must be matured. Tu ne dois pas te tromper. You shouldn't mistake. Et on ne doit pas te tromper. You shouldn't commit mistake and you shouldn't be deceived. Quand tu dis je suis enfant de Dieu. When you say that you are a child of God. Tu sais pourquoi tu le dis. You know why you say so. Cette maturité là. This maturity. Est obligatoire. Is obligatory. Si ça n'arrive pas. If it doesn't come. Il y a un problème. There's an issue. Lis Hébreux chapitre 5. Hebrews 5. Et à partir du verset 11. Hébreux chapitre 5, à partir du verset 11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Quand ça n'arrive pas, ça devient un problème. When it doesn't come into existence, it becomes an issue, a problem. Quand tu ne deviens pas mûr, ça devient un problème. Become mature, it becomes a problem. Reprends verset 11. Take it all over, verse 11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet. Vous, en effet. You. Qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Vous qui depuis longtemps devriez être des maîtres. You were supposed to be masters. Des hommes mûrs. Matured men. Vous avez encore besoin. Vous avez encore besoin. You still need. Qu'on vous enseigne les premiers rudiments. Qu'on vous enseigne les premiers rudiments. To be taught the first lessons. Des oracles de Dieu. Des oracles de Dieu. Vous avez encore besoin. Of the oracles of God. Des enseignements primaires comme donne ta vie à Jésus. Repends-toi. You still need basic teachings. Give your life to Jesus. Repent every time. Vous en êtes venu à avoir besoin de lait. Vous êtes au niveau où on doit vous donner le lait. Le lait. Dieu you t'aime. Are... L'amour de Dieu. L'amour fraternel. Alléluia. Amen. You are at the level where they have to give you mail, tell you about the love of God, the love of brothers. Alleluia. Amen. Le jour où on prêche l'amour. The day we preach on love. C'est là tu dis que le message était puissant. That is why you say the message was powerful. C'est l'amour même qu'il nous faut. We need love. Et quand tu as un problème comme ça, les frères doivent vraiment se mobiliser. And when you have a problem, the brothers should mobilize themselves. We need love. Ça, c'est le lait. This is milk. Lait. Milk. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Quand on prie, when we pray, prie avec violence. Pray with violence. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'on est en train de détruire. You don't know what we are destroying. Quand on prie, même s'il y a les manifestations à côté de toi, sois concentré. When we pray, even if people are manifesting beside you, remain focused. N'arrête pas pour regarder d'abord. Don't stop to look. Frappe. Strike. Quelque chose est en train de se passer sous les eaux, dans les mers, les océans, something dans les fleuves, les rivières. Something is happening beneath the water, in the waters, in the oceans, in the universe. Même dans l'eau qui est dans des bouteilles, dans even les maisons. Even in the waters inside the bottle in houses. Quand on frappe, c'est le Saint-Esprit qui sait ce qu'il est en train de faire. When we strike, the Holy Spirit knows what he's doing. Ne viens pas avec des airs de supériorité, que toi tu n'as pas de problème. Don't come with pride, saying that you don't have any problem. Un jour, tu vas entendre, bah, c'est qui, vaudou? One day you're going to hear, pow, who is it, vaudou? Alleluia. Praise the Lord. Tout le monde. Everyone. A besoin de délivrance. Meet deliverance. Il n'y a aucun être humain.
There is no human being qui sort du monde which come out from the world entre en Christ and get into Christ sans lien. Without any ties. Aucun. No one. Il y a des frères there are brethren qui sont suivis par les pitons who are followed by pythons depuis qu'ils étaient bébés since they were small. Mais ces liens n'ont jamais été brisés. And those ties have never been broken. Certains enfants même ont joué avec le serpent. Some children even played with the snakes. Est-ce que la sœur Lucie, quoi où est là? Est-ce que son mari me permet de t'appeler? Is sister Lucie around? Does her husband allow me to call her? Il est là. Is he around? Je peux l'appeler? Can I call her? Oui, c'est un évangéliste. Yes, he's an evangelist. Viens. Come. Oui, Lucie, quoi? Where is she? Acclamation. Clap offering. Tu vois, quand les liens sont brisés, c'est ce que ça fait. You see, when the ties are broken, this is what it produces. Quand les gens ont été délivrés. When people have been delivered. Ça le film sort partout. The movie comes out everywhere. Voici un enfant à qui on avait enseigné à jouer avec les serpents et à les nourrir. This is a child who was taught how to play with a snake. Mais où est le micro? Give her the microphone. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Lucie Kwao, missionnaire numéro 2 dans le Bas-Sassandra, résident à San Pedro. Mon faiseur de disciples, c'est mon Colette Meunier. J'avais 8 ans. Je suis jumeau avec un garçon. Et un jour, je me suis réveillée. Je devais mettre la bouillie au feu. J'étais avec ma grand-mère. Et subitement, j'ai vu des serpents qui sont entrés dans la cour. Et je me suis levée. Et je cherchais les bois pour tuer le serpent. Et ma grand-mère vient et dit, non. Non, il ne faut pas les tuer. N'est-ce pas que tu as envie de voir ton jumeau? Frère, je ne lui avais rien dit. Et effectivement, j'avais envie de voir mon jumeau, puisqu'on nous avait séparés. On nous avait séparés. Et c'est comme ça que... Non, il ne faut pas les tuer. Que tu as vu ce serpent? Il y avait un serpent qui avait deux têtes. Une tête normale, et puis à la queue, il y avait une autre tête. Et puis elle m'a dit, tu vois, c'est le serpent des jumeaux. Et il y avait un autre encore, lui aussi, il avait deux têtes. Lui, il a deux têtes, il a sa tête, et puis il y a une autre tête. Et puis il y avait un autre troisième qui était le python. Et puis elle m'a dit, tu vois, ces serpents-là. Frère, ce n'est pas un songe, hein. C'est vis-à-vis. Elle m'a dit, tu vois ces serpents-là? J'ai dit, oui. Elle dit, nourris-les. Moi, j'étais petite. Donc, je ne savais pas ce que même je faisais même. Donc, je nourrissais les serpents-là. Et puis, le python, je prenais le python, je mettais le python sur mes pieds. Et puis, le python jouait avec moi. Je jouais avec lui. Il rentrait dans mes cheveux. Il faisait les... Maintenant, vous allez croire à l'évangile. Now you're going to believe the gospel. Il faisait des chaînes à mon cou. Et il passe ma tête, il revient. Je joue avec lui, il joue avec moi. Mes frères, il faut dire qu'elle me faisait adorer les serpents sans m'en rendre compte. Et partout où je passais, le serpent était avec moi. Et elle me disait que c'est le serpent là qui allait me protéger. Quand je vais à l'école, frère, le serpent... marche avec moi. Personne ne peut le voir. C'est moi ce que je vois le serpent. Mais tu peux sentir l'influence de ce serpent, mais tu ne peux pas le voir. Et c'est comme ça qu'un jour à l'école, je n'avais rien fait. Et les élèves ont monté sur moi. Et la maîtresse m'a chicoté. Quand elle m'a chicoté, frère, ça m'a fait mal. Je suis entrée à la maison. Quand je viens à l'école comme ça, le serpent, il reste devant la classe. Et quand la nuit, je suis partie à la maison, tellement que ça me faisait mal.
Le serpent est parti la trouver là-bas. Dans son sommeil, le serpent l'a chucoté. Donc le matin, elle revient, elle me dit, toi Lucie, là, tu es sorcière. Il a dit, je ne suis pas sorcière, madame. Elle dit que la nuit, tu as envoyé ton serpent pour venir me chucoter. Il dit, je ne me reconnais pas de ce que tu dis. Alléluia. Et après, je partais au marché. Et puis, le serpent était toujours à côté de moi. Il marchait avec moi. Et puis, il y a quelqu'un qui dit que ah, je sens la présence d'un serpent. Puis, moi, il sait que le serpent là, il est avec moi. Donc, il a dit, tu le vois où? C'est comme ça que, jour, j'étais avec le serpent. Chaque jour, j'étais avec le python et je les nourrissais. Chaque jour, il venait à la maison, je les nourrissais. Chaque jour, il venait à la maison. Mais je ne me rappelais plus de quoi je prenais pour nourrir les serpents. Et quand j'ai cru, j'avais oublié que j'avais nourri les serpents. Et c'est quand je m'étais rappelé d'un prophète qui était venu dans notre quartier. C'est quand je me suis rappelé de ce prophète qui est venu dans notre quartier qui a dit que je devais être une prophétesse des nations. Puisque déjà, je marchais avec un python. Et puis, ce jour, comme ça que il y a quelqu'un dans la que Dieu veut utiliser comme une prophétesse des nations. Et pendant qu'il était en train de parler, je ne me reconnaissais pas. Et il a dit qu'il allait décrire l'habit de la personne. Et quand il a décrit l'habit, j'avais une voisine à côté de moi qui me dit, mais c'est de toi on parle. Frère, un esprit de troubillon est tombé sur moi. Et je me suis retrouvée en face d'un gros python qui m'avait injecté quelque chose. Et le lendemain, c'était le samedi, le dimanche, je suis partie dans une église. Et dès que j'arrive dans l'église, j'ai commencé à prophétiser. Mais avant de prophétiser, j'ai fait chut. Et mon papa était assis à côté de moi, puisque c'est mon papa qui m'a envoyé à la CMCI. Mon papa était assis à côté de moi. Il était prêtre de vaudou. Et il m'a tapé. Il dit, tu as enlevé l'esprit là où? Il a dit, non, c'est un prophète qui est venu. Il dit, non, que je suis prophétesse des nations. Mes frères, je pouvais dire ta vie. Mes yeux sont fermés. Puis je saute les bancs. Et puis je dis ta vie. Et quand je suis arrivée à la CMCI, je m'étais rappelé de ce côté-là dont j'ai brisé les liens. Mais je n'avais pas brisé les liens avec le serpent que moi-même j'avais adoré. Et en 2014, pendant que je partais me coucher un dimanche, je rentre dans la chambre, quelque chose me pique. Et quand je regarde le petit orteil, je ne vois rien. Mais quelque chose m'a piqué. Et j'ai prié pour me séparer de cette chose-là. Et puis lundi, mardi, mercredi, jeudi à vendredi, frère, je suis paralysée. J'ai vu à 2h du matin quand le pasteur Kwao, mon mari, s'est levé pour aller chercher Dieu. Mais à 4h du matin, quand je veux me lever, j'étais paralysée. Je ne pouvais plus me lever. Et mon pied gauche a commencé à s'enfler. Et c'est devenu rouge. Et c'est comme ça qu'il m'a dit, appelons papa. Et puis nous avons appelé papa le pasteur Meunier. Alléluia. Etc, etc. And so on and so on. Acclamation. Clap offering. Merci. Thank you. C'est un enfant, une enfant de Dieu. She's a child of God. Si elle n'est pas délivrée, if she's not delivered, elle reste prophétesse des nations. She will remain prophetess of nations. Dans les églises évangéliques. In evangelical churches. Et beaucoup ont pour berger les anciens adorateurs des serpents. Have as shepherd
ancient worshippers of snake. Les gens dont les parents ont adoré les serpents prophétisent facilement dans les églises. Those whom the parents have worshipped snake, they prophesy easily in churches. Il leur faut absolument le brisement des liens. They desperately need the breaking of evil ties. Il leur faut, je veux dire, il te faut, si tes parents ont adoré le serpent, on va prier, on fait le combat spirituel, c'est bon. Mais supplie Dieu que nous ayons du temps pour que tu sois délivré, qu'on brise tes liens. We are going, if your parents have worshipped the snakes, we are going to pray and do the spiritual warfare. But plead with God that you have time so that your ties should be broken. Si tu es ici, if you are here, à la croisade, in the crusade, et que tu es membre de nos églises. And you are a member of our churches. Si tu as besoin de brisement de liens. If you need the breaking of evil ties. Approche-toi de ton dirigeant. Draw close to your leader. Dis-lui que tu as besoin de brisement de liens. Tell him that you need the breaking of evil ties. Il viendra t'inscrire sur la liste. He will come and write your name on the list. Il y a une armée pour briser tes liens. There is an army to break your ties. Levez-vous. Stand up. Si vous êtes là, tenez-vous debout. If you are present, please stand up. Si tu rentres sans délivrance, if you go back without deliverance, c'est ta faute. It's your fault. Il y a une équipe qui brise les liens en ligne. There is an online team who breaks the evil ties. On aura le temps de les présenter. We are going to have time to present them. Donc, Dieu nous aide. So God is helping us. Please be seated. Les esprits de mort existent. The spirit of death exists. Ils entrent dans les hommes. They enter into men. La mort même existe. Death itself exists. Si tu tombes malade, if you fall sick, et que tes pieds deviennent glacés, les mains, la poitrine, c'est la mort. That your legs, your hands, your chest become cold is death. Il faut chasser. You have to cast it out. Il va descendre. And it's going to come down. Tu commences à devenir chaud. And you feel warm, you become hot. Il y a l'esprit de mort. There is the spirit of the dead. L'esprit de mort, c'est un être humain comme toi qui est déjà mort. The spirit of the dead is a human being like you who is already dead. Dans la sorcellerie, il y a les sorciers vivants. In witchcraft, you have sorcerers who are alive. Et il y a les sorciers déjà morts. And you have sorcerers who are dead. Ils travaillent ensemble dans le corps de Satan. They work together in the body of Satan. C'est comme l'église. It's like the church. L'église, il y a les croyants. The church, you have believers. Qui sont déjà morts. Who are already dead. Il y a des croyants qui sont encore vivants. And you have believers who are alive. Et il y a l'esprit de Jésus. And you have the spirit of Jesus. Et Jésus lui-même est la tête. And Jesus himself is the head. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Il y a des, quand l'ennemi, quand tu n'es pas encore délivré, when you are not yet delivered, il y a toujours there une interférence. Always an interference. Tu es en train de méditer. You are meditating. Tu entends la voix de Dieu. You hear the voice of God. Après, tu entends une autre voix. Then you hear another voice. Tu es embrouillé. You are confused. Tu peux avoir une convoitise démoniaque. You can have an evil lust. Alors que tu es déjà sauvé. Meanwhile, you are already saved. Tu as besoin de délivrance. You need deliverance. Tu peux mentir pour rien. Tu mens pour rien. Tu mens. You can lie for nothing. For nothing like that, you lie.
Tu as besoin de délivrance. You need deliverance. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Donc ce soir. So tonight. D'abord, on va prier que les écailles tombent. We are going to pray that the scales fall. Que la machine que le diable a inventée pour t'aveugler soit détruite. That the machine the devil has invented in order to blind you, let it be destroyed. Que la puissance du Saint-Esprit te visite là où tu es tenu captif. That the power of the Holy Spirit visits you where you are captive. Beaucoup de maladies viennent des envoûtements. Many sicknesses have their origins from bewitchment. Et quelqu'un te dira, non, un enfant de Dieu ne peut pas être envoûté. And people will tell you that, no, a child of God cannot be bewitched. Le problème est le suivant. Est-ce qu'il a même déjà été délivré des liens? The problem is as follows. Has it already been delivered from ties? Les liens sont comme les portes. Ties are like doors. Comme les fenêtres dans une maison. Like windows in a house. Si tu ne les fermes pas, les démons vont entrer. If you don't shut them up, the demons are going to get in. Et on les ferme en brisant par la parole. And we close them by breaking them through the word. La parole de Dieu dit que Jésus-Christ chassait les démons par sa parole. The word of God says that Jesus casted out demons with the word. Quand tu dis je renverse, when you say I overthrow, c'est la parole. Is the word. Si un démon se manifeste, if a demon manifests itself, ne criez pas dans l'oreille de la personne. Don't scream in the ear of the person. Il y a des gens qui crient dans l'oreille, sors. There are people who scream in the ear, come out. Ils peuvent rompre même les, ils peuvent casser les tympans. And they can even break the eardrum. Quand quelqu'un pleure, aïe, aïe, parce que ça fait mal, il pense que le démon se manifeste. When oui, someone is shouting, aïe, aïe, they think that the demon is manifesting. Jésus chasse les démons. Il dit, sors. Jesus casts out demons. He says, come out. On ne donne pas les coups de poing. You don't give blows. On ne fouette pas avec la chicotte. You don't cane the person. J'avais un collègue au Cameroun. I had a colleague in Cameroon. Il a prêché l'évangile, il n'a pas cru. I preached the gospel to him, he didn't believe. Quand il a décidé de croire, c'était chez un faux prophète. When he decided to believe, it was in a false prophet. Là-bas, on faisait les délivrances en frappant les gens. And they do deliverance by caning you. Un jour, ils ont tué un enfant. And one day they killed a child. C'est là qu'il a quitté la communauté. That is when he left that church. Il a commencé à me chercher. He started looking for me. On ne donne pas les coups de pied. You don't kick. On ne s'assoit pas sur le ventre en disant you don't accouche, sit accouche. On the stomach by saying give birth. Toute la délivrance. All the deliverance. C'est fait avec la parole. Is done with the word. Si tu dis à cette montagne, ôte-toi-là. If you tell this mountain, come out jette-toi from there. Jette-toi dans la mer. And cast yourself in the waters. Si tu crois, tu ne doutes pas. If you believe and you don't doubt, la montagne va se déraciner. The mountain is going to uproot itself. Va tomber dans la mer. And fall in the waters. On ne fait pas boire l'eau. You don't give water to the person. Il faut pas développer des pratiques que tu ne maîtrises pas. Don't develop practice that you cannot master. Ne donne pas le sel. Don't give salt. Ne dis pas à quelqu'un mange le sel, bois le miel. Don't tell someone eat salt, drink honey. Ou bien suce le citron. Or suck lime. Ou bien mange les carottes. Or eat carrots. Dis, parle au démon, dis démon, libère cet homme. Speak to the demon, say libère demon, cette femme. Free this man, free this woman. Le démon va obéir. The demon will obey. Si un démon résiste, if a demon resists, ne vous inquiétez pas. Do not worry. Jésus a chassé certains démons.
Jesus casted out some demons. Ils ont dit à Jésus, pardon, ne nous envoie pas loin de ce territoire. Laisse-nous dans ce territoire. And they told Jesus, please don't send us out of this territory. Leave us in this territory. Et Jésus a laissé. And Jesus left them. Mais ils sont sortis des hommes. But they came out from men. On a raté une délivrance à Douala. We missed a deliverance in Douala. Un frère avait été vendu par son oncle qui pratiquait une certaine religion dont je ne dirai pas le nom ici. A brother was sold by his uncle who was practicing a religion that I won't call the name. Quand le démon a reçu des coups, des vrais coups. When the demon received serious blows. Il a dit. He said. Laissez-je prise part. Et il voulait prier à leur manière. And he wanted to pray in the way. Le frère dit non, tu ne fais pas ça ici. The brother said, no, you will not do it yet. He said, I will just pray and go. Mais qu'il veut faire ça, Once he wants to do it, they said, no. Et il n'est pas parti. And he didn't leave. Plus tard, later on, le Seigneur m'avait convaincu. The Lord convinced me. On avait raté. That we missed it. On devait le laisser. We were supposed to leave him. Il prie. He prays. Il part. And he goes. Un jour, one day, nous étions déjà en Côte d'Ivoire ici. We were already in Côte d'Ivoire. Il y a une sœur. There was a sister. Qui rêvait toujours qu'elle a un bébé. Elle n'accouchait point. Who could not give birth? Dans les songes, elle a un bébé, mais physiquement, pas d'enfantement. But always dreamed that she had a baby in her dreams, but physically, no birth. Il y avait l'esprit de son père. On l'a chassé. There was the spirit of her father. We casted it out. Il est parti. He left. Après. Then. On attend. Je suis bébé. Laissez-moi. We hear, I am a baby. Leave me. Je fais quatre pas. Je pars. I am crawling. I'm going. Je suis bébé. I am a baby. Laissez-moi. Je fais quatre pas. Leave je pars. Me. I'm crawling. I'm je going. Je me suis rappelé. I remembered. Qu'un jour. That one day. On a raté. That we missed. Parce qu'on avait refusé que l'autre prie pas. Because we refused that the other one prays and on a go. Dit oui, fais. They fais, say yes, pas. Crawl and go. Et il a fait, la sœur a fait. And la, the sister bam, made like this and bam, he left. Jésus Christ. Jesus Christ. Je vous dis. I am telling you. Sais, un ou deux mois après, elle a conçu. One or two months later on, she gave birth. Je fais quatre pas, je pars. I'm crawling, I will go. Si un démon dit, laissez-moi, je vais dans la forêt, dis-lui seulement, ne touche pas un être humain, va. If a demon says, allow me, let me go to the forest, just tell him that, don't touch a human being, go. Parce que because le Seigneur Jésus n'est pas encore venu pour le jugement final. The Lord Jesus has not yet come for the final judgment. Si nous sommes dans le monde aujourd'hui, if we are in the world today, c'est parce que Dieu veut qu'on prêche que les âmes sont sauvées. It's because God wants us to preach so that souls may be saved. À la fin, il y aura le lac de feu et de soufre. At the end, there will be the lake of fire and sulfur. Là, there, le diable et tous les démons, the devil and all the demons, seront jetés dans le lac. Will be cast in the lake of fire. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Dis Seigneur, say Lord, je veux la délivrance. I want deliverance. Je veux la délivrance. I want deliverance. Dis je veux toute ma délivrance. Say I want all my deliverance. Je veux te servir. I will serve you. Dans la sainteté. In holiness et dans la justice, and in righteousness, tous les jours de ma vie, all the days of my life, sans crainte, without fear, tous les jours de ma vie, all the days of my sans life, crainte, without fear, je veux. I want. Tiens-toi debout. Please stand up. Dis, je ne veux aucun démon dans ma vie. Say, Lord, I don't want any demon in my life. Je ne veux aucun esprit dans ma vie. I don't want any spirit in my life.
dit je suis à Jésus. I am in Jesus. I belong to Jesus. S'il y a même un petit indice que il y a un esprit qui passe de temps en temps à côté de toi, frappe. Even if there's a little signal that there's a spirit that comes beside you, strike it. Il part. Let him go. Sans bruit ou avec bruit, qu'il parte. Without noise or with noise, let him go. Qu'il parte. Let him go. Oh, je dis avec ou sans bruit, parce que si tu lui dis sans bruit, tu vas le bloquer. I say with or without noise. If you say without noise, you will block him. Tout ce qu'il peut faire pour partir, qu'il parte. Anything he can do in order to go, let him go. Si c'est un bébé, si dit qu'il va faire quatre pattes avant, qu'il parte, qu'il fasse. If it is a baby, if he says he has to crawl before going, let him go. Dis esprit méchant. Say you wicked spirit. Je déclare. I declare. Que j'appartiens à Christ. That I belong to Christ. Va-t'en. Be gone. Je n'ai pas besoin de toi. I don't need you. Va-t'en, va-t'en. Be gone, be gone. Je détruis tous les liens. I destroy all the ties. Sur lesquels tu t'appuies. On which you rely on. Va-t'en, va-t'en. Be gone, be gone. S'il y a quelque chose que tu dois faire pour partir. If there is something that you need to do in order to go. Va-t'en. Be gone. Et tu ne touches à personne. And you touch no one. Tu ne voles rien en partant. And you steal nothing while going. Selon ta nature. According to your nature. Si tu veux faire comme ce bébé qui a dit, je fais quatre pas, je pars. Fais, tu pars. If you want to do like that baby who said, I will crawl and go. Crawl and go. Va-t'en, va-t'en. Be gone, be gone. Dis, va-t'en, va-t'en. C'est be gone, be gone. Va-t'en, va-t'en. Be gone, be gone. Urabaka, surabaka. Dis, va-t'en, va-t'en. C'est be gone, be gone. Nous te frappons. Then we strike you. Nous brisons tes appuis. We shatter your support. Cassons tes lieux. We break your places, your hiding place. Nous brisons tout ce que tu utilises pour te cacher. We break everything you use in order to hide. Même si c'est sous les rochers, nous cassons Even ces rochers. Even if it's under the rock, we break that rock. Nous te poursuivons. We pursue you. Va-t'en. Be gone. Va-t'en. Be gone. Avec tout, si tu es venu avec les maladies, va-t'en avec chaque maladie. If you came with sicknesses, go with your sicknesses. Prends tes maladies. Carry your sicknesses. Prends tes maladies. Carry your sicknesses. Prends tes maladies. Carry your sicknesses. Va-t'en. Be gone. Prends tes maladies. Carry your sicknesses. Prends tes maladies. Carry your sicknesses. Prends tes maladies. Take your sicknesses. Va-t'en. Be gone. Va-t'en. Be gone. Prends ta stérilité. Carry your barrenness. Va-t'en. Be gone. Va-t'en. Be gone. Prends tes envoûtements. Carry your bewitchment. Prends-les. Take them. Va-t'en. Be gone. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Continue Jesus. À prier, brise Keep tout. Keep praying. Break.
Tu prends ton chômage, va-t'en. Say, carry your unemployment and begin. Va-t'en, va-t'en. Begin, begin. Dieu, au nom de Jésus. Say the name au nom of de Jesus. Jésus. Say the name au nom of de Jésus. Say the name nous of brisons Jesus. Tes appuis. We shut down your support. Nous cassons tes prisons. We break your prisons. Continue à prier. Keep praying. Dis au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus. Say the name of Jesus. Nous jugeons ceux qui se sont assemblés. We judge those who have gathered. Ceux qui sont deux ou trois ou quatre ou cinq ou six ou sept. Those who are two, three, four, five, six. Nous vous frappons de confusion. We strike you with confusion. Nous vous dispersons. We scatter you. Vous avez écouté dans les témoignages, on dit il y avait la mère, il y avait la grand-mère, il y avait telle. Dis, nous vous divisons. Nous vous séparons. Nous sèmons la zizanie. La confusion. Nous vous affaiblissons. Nous vous anéantissons. Nous vous affaiblissons. Nous vous anéantissons. Nous vous commandons de partir. We banish you. We command you to leave. Partez. Begin. Partez. Begin. Continuez à juger. Keep judging. Go to Robasa Karabakasuka. Boroko Seke Rebakasuka Rabakaseka. Robokaseka Rabakaseka. Reka Reka Balake de Gartia Kanizamto. Yerebasende Rekaltaramasenda Kabaz. Uriabalakasende Rebaltaramasama. Urabakasere Bakota, Arabakasere Bakota, Arabakasere Bakota, Arabakasere Bakota, Urabakasere Bakota, Arabakasere Bakota. Rode Kabarabe Akasimikara, Urebakare Makasimika, Urabakalevaka. Dieu au nom de Jésus. Say the name of Jesus. Nous arrachons à nos ennemis. We snatch from our enemies. Tout ce qu'ils ont volé. Everything they have stolen. Nous leur arrachons. We snatch it. Tout ce qu'ils ont volé. Everything they have stolen. Tout ce qu'ils ont volé. Everything they et have nous stolen. Arrachons. And we snatch. Nous récupérons. And we take back. Tout ce que nous leur avons donné. Everything we have given them. À travers les pratiques de l'idolâtrie. Through the practice of idolatry. Tout ce qu'ils ont acquis de nous librement. Everything they have acquired from us freely. À travers les pratiques de l'idolâtrie. Through the practices of idolatry. Nous regrettons de l'avoir fait. We regret having mais done nous, it. Nous arrachons nos biens. And we snatch our goods. Nous arrachons l'argent donné. We snatch the money we gave. L'argent qui avait été enterré. The money that was buried. L'argent qui avait été jeté dans l'eau. The money that was cast on the waters. L'argent qu'on nous a demandé de donner à nos mondes dans les rues. Meanwhile, they asked us to give. Quelle que soit la voie, quelle que soit la voie utilisée pour voler, no matter the practice they use in order to steal, quelle que soit, no matter la voie que vous avez utilisée pour voler, the road you've used to steal, nous récupérons tout, we restrike everything, et nous déposons ces richesses dans les différentes familles, and we lay all these riches in different families. Et nous ordonnons and we command qu'elles viennent à l'existence. That they come into existence. That they come into existence. Sous des formes utilisables. In usable forms. Par les hommes dans notre société. With continue the à prier, men continue of à our poser. Societies. Keep praying. Dieu au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Lève ta main droite. Lift up your right Dieu hand. Nous frappons. Say we strike. Toute main qui s'est levée contre un élu de Dieu. Every hand that rose up against an elected nous of God. Nous frappons. We strike. Nous frappons. We strike. Toute main. Every hand. Qui s'est levée. Which rose up. Contre un seul enfant de Dieu. Against only one child continue of God. Continue à frapper. Continue à frapper. Keep striking. Thank you.
Esprit méchant. Ce wicked spirit. Qui a levé la main contre l'élu. Which rose his hand against the Nous retournons tes armes contre toi-même. We turn your weapons Nous retournons tes armes contre toi-même. We turn your weapons against you. Continue à prier. Keep praying. Prie en langue, prie en langue. Pray tongues. Zetara makota baka. Rere bako sekere bata na kuma. Eli kazeni kasote karabaka sete. Eli kadoni ya bakanda ramazindanto. Eri ya bakasekere tilte arta na zidam. Yoni bakonde rebata yata kuta. Yata kete yete yata kete. Yata kete yeta kete. Yeri bakotere bakuseka. Barta nazi kamizenai da glory na almasen. Uri ya bakara bakesaka. Ura bakesaka. Ura bakesaka. Ura bakesaka. Ura bakesaka. Ura bakesaka. Dieu au nom de Jésus, nous jugeons Jesus. Les esprits de mort. We judge the spirit nous of les death. Chassons. We cast nous les renvoyons out. Dans le séjour de mort. We send them back in Hades. Nous cassons les tombes et les cercueils. We break the nous libérons les the captifs. We nous, cassons tout, nous cassons les tombes et les cercueils. We break the nous libérons les captifs. The nous, we cassons the tout, nous cassons les bouteilles. We break the nous bottles. Libérons toutes les âmes dans les bouteilles. We set all the au nom de Jésus-Christ, nous arrachons les photos volées. In the name of Jesus, nous arrachons les photos every volées. Picture that was stolen. Et nous brisons tous les liens malsains établis à travers ces photos. Through these pictures. Nous jugeons les liens établis we judge par you. Les vêtements volés. Les chaussures volées, les stylos volés, shoes, pens, les cahiers volés, books tout stolen, ce que l'ennemi a volé anything that the pour aller enemy pratiquer stolen, les enfoutements. To practice nous le récupérons the we retrieve them, et nous brisons les liens établis and we break the tie et nous that was guérissons established, tous les malades. And we heal all the sick. Nous guérissons toute maladie we heal every sickness, qui est venue à cause des enfoutements. Which came because of au nom de Jésus, in the name of au nom de Jésus, in the name of nous Jesus. Restaurons dans la dignité. We restore dignity. Toute personne qui a été humiliée par l'enfoutement, of a person who be humiliated au nom by de Jésus, in Jesus name. Prie en langue. Pray in tongues. Asseyez-vous. Please be seated. Va-t'en. Be gone. Rien ne subsiste contre toi. Let nothing remain against you. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Si on t'a fait adorer les serpents, if they made you to worship snakes, sans te dire la vérité, without telling you the truth, sans te dire que tu es en train d'adorer le serpent, without telling you that you were worshiping the snake, et le serpent est dans ta vie. And the snake is in your life. Et il se dit,
Il m'a adoré, je ne pars pas. And the snake says, he has worshipped me, I won't go. Tu vas partir, va-t'en. You must leave, be gone. Va-t'en vite. Be gone quickly. Dis au nom de Jésus. Say the name of Jesus. Même si c'était avec l'accord de la grand-mère ou, ou du grand-père. Even if it was with the agreement of my grandmother or grandfather. Cassons cette adoration. We shut down our worship. Cassons cette adoration. We shut down our worship. Même si c'est la grand-mère elle-même. Even if it is the grandmother herself. Qui a dit au python? Who told the python? Suis-le ou suis-la. Follow him or her. Nous déclarons que tu es libre. We declare that you are free. Va-t'en vite. Be gone quickly. Va-t'en. Be gone. Dieu au nom de Jésus. Say the name of Jesus. Même si c'est la mère ou le père. Even if it is the mother or the father. Qui t'ont dit de suivre cet enfant. Who asked you to follow that child? Nous mettons fin à ton travail. We put an end to your work. Nous te chassons, va-t'en. And we cast you out, be gone. Va-t'en. Be gone. Va. Be. On n'a pas besoin de toi. Go, we don't need you. Be gone. Va-t'en maintenant. Be gone now. Gore wakaseka rabakota karabakaseka. Uriokoseke rebata rabaseko taka. Yete rebakonde rebakasa kete. Yondere kabakaseke. Yondere kabakaseke. Yondere kabakaseke. Yondere kabakaseke. Yondere kabakaseke. Dieu au nom de Jésus. Say in the name of même Jesus. Si c'est moi-même qui t'ai appelé. Even if I was the one who called you. Même si c'est moi-même. Even if I. Qui suis allé te chercher. When I look for maintenant, you. Maintenant, je te renvoie. Now I send you back. Je me sépare de toi. I separate myself et je from te you. Chasse. And I cast you out. Va-t'en, vite. Be gone quickly. Va-t'en, vite. Be gone quickly. Je te chasse. I cast you out. Je me sépare de toi. I separate myself from you. Même si c'est moi-même qui t'ai appelé. Even if I was the one who called maintenant, you. Je ne veux plus. Now I don't want. Je brise les liens. I break the ties. Je brise les liens. I break the je ties. Me sépare de toi. I separate myself je me sépare from de toi. I separate je myself me sépare from de you. Toi. I separate myself va from t'en, you. Va-t'en vite. Be gone quickly. Dieu au nom de Jésus. Say the name of Jesus. Je brise le lien de chaque acte d'adoration. I break the tie of every act of worship. Je brise le lien. I break the tie. Tous les liens établis. Every tie established. Par les actes d'adoration. Through the act of worship. Par les paroles d'adoration. Through the words of worship. Par les offrandes d'adoration. Through the offerings of worship. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Et je te chasse de ma vie. I cast you out of my life. Be gone. Même si tu es venu pour protéger. Even if you came to protect me. Même si on t'a dit va protéger. Even if they told you go and protect. Dis, je n'ai pas besoin de ta protection. Say I don't need your protection. Jésus a dit.
Jesus said que le voleur that the thief ne vient que pour voler. Comes only to steal. Il n'y a pas de bon Satan. There is no good Satan. Il n'y a pas de bon Python. There is no good Python. Be gone. Tu es un mauvais esprit. You are a wicked Va-t'en. Spirit. Be gone. Tu es un mauvais esprit. You are an evil spirit. Va-t'en. Be gone. Va-t'en. Be gone. Gardez le calme. Keep calm. Gardez le calme. Keep calm. Regardez le calme, le Saint-Esprit travaille. The Holy Spirit is at work. Saint-Esprit travaille. The Holy Spirit is at work. Romans 1:1-2 or 3. Lève ta main. Lift up your hand. Dis, nous venons au secours de tout frère. So we come to the rescue of every brother qui habite une maison où réside le python. Who lives in the house where the python dwells? Ou le serpent. Or a snake. S'il y a dans cette foule. If there is in this crowd. Ou s'il y a parmi nous, parce que nous sommes. Or if there is among us. Il y a des frères qui ne sont pas ici. Because ailleurs. You have brethren who are not here. D'ici y a parmi nous. Say if there is in our midst. Un frère. A brother. Qui habite une maison. Who live in a house. Hanté par l'esprit de serpent. That is haunted by the spirit of snakes. Qui trouble. Who troubles. Trouble le sommeil. Trouble his sleep. Qui attaque en esprit. Nous te taillons en pièces. So we cut you into pieces. Dis tout esprit. Say any spirit. Nous délivrons cette maison. We deliver that house. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Nous insistons. We insist. S'il y a un frère. If there is a brother. Qui habite une maison. Who is living in a house. Dont le propriétaire a mille. Dans laquelle le propriétaire a mis un esprit de serpent. Whereby the landowner has placed a snake. Ou bien le locataire qui venait de quitter la maison a laissé le serpent. Or the one who was renting the house left a snake. Serpent. Snake. Nous nous sommes les enfants de Dieu. We are children of God. Sors de là. Come out from there. Dieu, au nom de Jésus, nous sanctifions la maison. Dieu, au nom de Jésus, nous sanctifions la maison. Dieu, au nom de Jésus, nous sanctifions la maison. Gardez le calme. Keep calm. D'ici à un enfant de Dieu. Say if there is a child of God. Qui travaille.
Who is working? Et dont le bureau est hanté par un serpent. And that his office is haunted by a snake. Placé par un collègue. Placed by a colleague. Va-t'en! Say, be gone! Que ce bureau soit libéré. Say, let that office be freed. Maintenant, nous passons au mari de nuit. Now we'll go to the spirit husband. Vous avez écouté les témoignages. You've listened to testimonies. Vous savez, quand tu lis la Bible, on dit que les enfants de Dieu étaient descendus chercher les filles des hommes. You know, when you read the Bible, they say the children of the sons of God came down to look for the daughters of men. Il y a des esprits qui ont des rapports avec les femmes. You have spirits who have intercourse with women. Certains ont des formes de monstres et d'animaux. Some, they have the shape of monsters and animals. Il y en a qui sont des serpents. Some are snakes. Il y en a qui sont des esprits des morts, les gens qui sont des esprits des morts. There are some who are the spirit of the dead. Certains sont encore vivants. Some are still alive. Surtout, il y a les pères, les parents, les pères aiment avoir pour femme les filles. You have fathers. En esprit, bien sûr. In spirit, father marry his daughter. Quand c'est comme ça, ils sont contre le mariage. When it is like that, they are against marriage. Tu donnes la dot, ils refusent. You give the bride price, he refuse. Si ton père a refusé de prendre la dot, tu vas casser ça aujourd'hui. If your father refused to take your bride price, you're going to break it tonight. C'est pour, il veut te garder. He wants to keep you. Dis, mari de nuit. Say, spirit husband. Je suis fiancé à Jésus. I am engaged to Jesus. Je n'ai pas besoin de toi. I don't need you. Je suis fiancé à Christ. I am engaged to Jesus. Je n'ai pas besoin de toi. I don't need you. Je suis fiancé à Christ. I am engaged to Christ. Je n'ai pas besoin de toi. I don't need you. Va-t'en. Be gone. Dis, va-t'en, va-t'en, va-t'en. Say, be gone, be gone, be gone. Je te juge, je te chasse. I judge you and I cast you out. Je te juge, je te chasse. Say, I judge you and I cast you out. Je te juge, je te chasse. I judge you and I cast you out. Je te jette par terre. I cast you on the ground. Dis, je ne veux pas de femme de nuit, je ne veux pas de mari de nuit. Say, I don't want a spirit wife, I don't want a spirit husband. Dis, parle au nom de Jésus. Say, in the name of Jesus. Je te chasse. I cast you out. Tu n'as pas d'espoir. You have no hope. Va-t'en. Be gone. Garde le calme. Garde le Keep calme. Calm. Keep calm. Garde le calme. Keep calm. Va-t'en et ne reviens plus. Be gone and never come back.
back. Nous arrachons ce que tu as volé. So we snatch what you have stolen. Et nous te commandons de prendre tout ce que tu as laissé. And we command you to take everything that you've left. Tout ce que tu as laissé. Everything you've left. Pour attirer la malédiction. In order to attract curse. Ramasse tout et va-t'en. Carry everything and be gone. Gardez le calme. Keep calm. Tends ta main. Stretch forth your hand. Dis, s'il y a un mari de nuit. Say if there's a spirit husband. Ou tout esprit. Or any spirit. Qui s'oppose au mariage dans la vie d'un frère ou d'une sœur. Opposes marriage in the life of a sister or a brother. S'il y a un esprit. If there is a spirit. Mari de nuit ou non. Spirit husband or not. Mais dont le travail that the work consiste à bloquer le mariage. Consists in blocking marriages. À le rendre impossible. And to make it impossible. Nous te frappons. We strike you. Nous jugeons tes œuvres. We judge your works. Et nous te chassons. And we cast you out. Nous libérons ce mariage. And we liberate this marriage. Dis, nous libérons, nous libérons, nous libérons. So we liberate, nous libérons, we liberate, nous libérons. We liberate. Nous libérons, nous libérons. We liberate, we nous libérons, liberate. Nous libérons. We liberate. Nous libérons, we nous libérons. Liberate. Nous libérons, we liberate. Nous libérons. We liberate. Dis nous libérons. So we free. Dis nous libérons. So we liberate. Nous cassons la résistance. We break the resistance. Dis nous libérons. So we liberate. Nous libérons. We liberate. Cassons la résistance. We shatter the resistance. Dis, nous libérons. So we liberate. Nous libérons. We liberate. Tout mariage. Every marriage. Bloqué par les démons. Blocked by demons. Gardez le calme. Keep calm. Va-t'en.
Be gone. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Nous brisons la résistance. We shut our resistance. Va-t'en. Be gone. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Lève ta main droite. Lift up your right hand. Dis, nous nous levons. Say, we stand up. Contre toute puissance de pauvreté. Against every power of poverty. Toute parole humaine. Every human word. Tout esprit. Every spirit. Tout esprit humain. Every human spirit. Tout esprit de mort. Every spirit of death. Tout esprit des eaux. Every spirit of the waters. Les adorations des eaux et leur pauvreté. The worship of waters and their poverty. Nous jugeons. We judge. La pauvreté. Poverty. Et tous les démons qui l'accompagnent. And all the demons. Partez. Be gone. Nous jugeons la pauvreté. We judge poverty. Nous jugeons la pauvreté. We judge poverty. Nous jugeons la pauvreté. We judge poverty. Et tous les démons qui l'accompagnent. And all the demons. Et tous les démons qui l'accompagnent. And all the demons. Nous brisons votre résistance. We break the spirit. Nous brisons votre résistance. We break the resistance. Partez, 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 partez. Gardez le silence. Keep calm. Gardez le calme. Keep calm. Entrons dans le camp de l'ennemi. So we get into the enemy's camp. Récupérer tout ce qui a été volé. To retrieve everything that was stolen. Tout ce qui a été volé. Everything that was stolen. Toute bénédiction volée. Every blessing that was stolen. Toute bénédiction volée. Every blessing stolen. Nous l'arrachons. We snatch it. Nous arrachons ce qui est dans les eaux. We snatch what is in the waters. Nous arrachons ce qui est dans les abîmes. We snatch what are in the abyss. Nous arrachons ce qui est dans le séjour des morts. We snatch what is in Hades. Nous arrachons ce qui est dans les forêts. We snatch what is in the forest. Ce qui est caché dans les tombes. Everything that was hidden in tombs. Ce qui est caché dans les cimetières. Hidden in graveyards. Nous brisons, nous cassons les tombes. We break, we shatter the graves. Nous cassons les cercueils. We break the coffins. Nous cassons les radars. We break the cameras. Nous dispersons les rassemblements. We scatter the gathering. Nous jugeons les totems. We judge totems. Nous jugeons les totems. We judge totems.
Nous les frappons. We strike them. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Continue à prier. Keep praying. Gardez le calme. Keep calm. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Si pendant que tu dormais, quelqu'un a... non, if while you are sleeping, listen. Si tu dormais et tu as lutté avec quelqu'un. If in your sleep you fought with someone. Cette personne t'a donné un coup. And that person gave you a blow. Ou t'a giflé. Or slapped you. Il faut détruire ça. You have to destroy it. Au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. J'anéantis. I crush down. Ce coup qu'on m'a donné. That blow that was given to me. Dans mon sommeil. In my sleep. Je frappe la main qui s'est levée contre moi. I strike the hand who rose up against me. Je chasse tout démon. And I cast out every demon. Qui m'a suivi. Which followed me. Depuis ce jour-là. Since that day. Dis, je te chasse de ma vie. Say, I cast you out of my life. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Là, tu vas prier si quelqu'un t'a touché. Yeah, you're going to pray if someone has touched you in spirit. Ces empreintes là sont démoniaques. Those fingerprints are demonic. Tu vas laver tout ton corps dans le sang de Jésus. You're going to clean all your body in the blood of Jesus. Et il n'y aura plus de liens. And there will be no tie. It's over. Au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Je me lave dans le sang de Christ. I clean myself in the blood of Jesus. J'enlève sur moi toute empreinte. I remove from my body every fingerprint. De la main d'un sorcier sur moi. Of the hand of a sorcerer on me. J'efface tout, tout, tout. I wipe out everything. Je me plonge esprit à mes corps. I dip myself spirit, body and soul. Dans le sang de Jésus. In the blood of Jesus. Je suis propre. I am clean. Sanctifié. Sanctify. Satan, tu as perdu. Satan, you've lose. Si un esprit t'a envoûté par une couche nocturne. If a spirit bewitches you through a wet dream. Qu'un mari de nuit a couché avec toi et a laissé un lien. A spirit husband slept with you and left a tie. Dis, je purifie mon homme intérieur. Say, I purify my inner man. J'enlève de mon corps spirituel toute la souillure. I remove from my spiritual body everything that was defiled. Toute la souillure laissée par le démon de mari de nuit. All the dirt that the spirit husband has left in me. Ou de femme de nuit. All the spirit purifié, wife. Purifié, purifié, purifié. Purify, purify. Purifié, purifié, purifié. Purify,
le téléphone c'est vibre. Si un démon a suivi quelqu'un. C'est if a demon followed someone. Parce qu'il est jumeau. Because he's a twin. Le démon des jumeaux le suit. And the demon of twins followed him. Nous déclarons que les jumeaux ne sont pas de Dieu. We declare that twins are not God. Va-t'en vite. Be gone quickly. Va-t'en. Be gone. Dis au nom de Jésus. Say the name of Jesus. Si un esprit a suivi quelqu'un. If a spirit followed someone. À cause du nom qu'il porte. Because of the name he bears. Nous déclarons que tu es libre. We declare that you are free. Si un esprit a suivi quelqu'un. If a spirit followed someone. À cause du nom qu'il porte. Because of the name that he bears. Nous te chassons maintenant. We cast you out now. Va-t'en vite. Be gone quickly. Dieu au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Si un esprit de mort. If a spirit of death. A suivi son homonyme qui est encore vivant. Followed his namesake. Si un esprit de mort a suivi son homonyme. If a spirit of death followed his namesake. Qui est encore vivant. Who is still alive. Et le suit. And he follows him. À cause du lien de l'homonyme. Because of the tie of the namesake. À cause du lien du fait qu'il est homonyme. Because of the tie of the fact that he's a namesake. Nous déclarons. We declare. Libre. Free. Toute personne. Every person. Qui porte le même nom qu'un mort. Who carries the same name of a dead. Nous chassons le mort de sa vie. We cast out the dead from his life. Chassons le mort de sa vie. We cast out the dead from his life. Gardez le calme. Keep calm. Acclamons pour Jésus-Christ. Clap offering for Jesus Christ. Avant de prier pour les maladies, nous allons d'abord gagner les âmes. Si tu veux donner ta vie à Jésus. Before we pray for the sicknesses, we are first of all going to win souls. If you want to give your life to Christ. Toi-même tu vois la réalité. You have seen the reality. Il y a le diable d'un côté. There is the devil on one side. Il y a Jésus. And Jesus. Tu veux lui donner ta vie. If you want to give him your life. Lève la main. Lift up your hand. Oui, venez. Yes, come. Venez ici. Come here. Venez ici. Come right here. Si tu veux donner ta vie à Jésus, viens ici. If you want to give your life to Christ, come here.
Venez, 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 venez. Come, come. Venez, venez, venez. Acclamation. Come, clap offering. Clamez plus fort que ça. Clap louder. Si tu veux donner ta vie à Jésus, lève-toi, tu viens. If you want to give your life to Christ, stand up and come. Ça, c'est bien. On vient avec tous les enfants. Ça, this c'est is bien. Good. You come with all your children. Acclamation à Jésus-Christ. Clap offering to Jesus Christ. Si tu veux donner ta vie à Jésus, lève-toi, tu viens. If you want to give your life to Christ, stand up and come. Jésus a dit dans sa parole. Jesus said in his word. Je me tiens à la porte et je frappe. I'm standing at the door and I'm knocking. Si quelqu'un entend ma voix. If someone hears my voice. Et ouvre la porte. And opens the door. J'entrerai chez lui. I will come. Je souperai avec lui. I will dine with him. Et lui avec moi. And him with me. Si tu veux la bénédiction. If you want blessing. Donne ta vie à Jésus. Give your life to Christ. Si tu es venu pour prier. If you came to pray. Si tu refuses Jésus. If you deny Jesus. Tu peux déjà rentrer chez toi. You can go back home. Jésus ne peut pas accepter. Jesus cannot accept. Que tu es l'ami du diable. That you are the friend of the devil. Et tu viens pour qu'il te bénisse. And you come so that he blesses you. Non, lui il n'est rien. So he's nothing. Ton argent tu donnes au diable. Your money you give it to the devil. Ton temps tu donnes au diable. Your time you give it to the devil. Mais. But. Quand tu as les problèmes. When you have problems. Tu dis Jésus aide-moi. You say Jesus help me. Jésus aide-moi. Jesus help me. Quand tu as les problèmes. When you have problems. Tu dis Jésus. You say Jesus. Viens mon secours. Come to my rescue. Qui autre doit venir? Who else has to come? Levez les mains. Et qui d'autre doit venir? Who else have to come? Acclamez plus fort. Clap louder. Acclamez, acclamez, acclamez. Clap, clap, clap. Nous n'avons pas fini. Le Saint-Esprit continue à travailler. It is not yet over. The Holy Spirit is still at work. Lis pour nous Jérémie chapitre 2, verset 27. Jeremiah chapter 2, verse 27. Verset 27 et 28. 27 and 28. Jérémie chapitre 2, les versets 27 et verset 28. Ils disent au bois, tu es mon père, et à la pierre, tu m'as donné la vie, car ils me tournent le dos, ils ne me regardent pas. Et quand ils sont dans le malheur, ils disent, lève-toi, sauve-nous. Où donc sont tes dieux que tu t'es fait? Qu'ils se lèvent s'ils peuvent te sauver au temps du malheur, car tu as autant de dieux que de villes, ô Judas. Amen. Dieu dit, God says, tu adores d'autres dieux. You worship other gods. Mais quand tu as les problèmes, but when you have problems, tu dis, oh Dieu, aide-moi. You say, oh God, help me. Tu adores la pierre, tu adores le bois, c'est-à-dire les idoles. You worship stone, you worship wood, meaning idols. Mais quand tu es coincé, but when you are tied up, dans la maladie, in sickness, tu dis je m'en vais à la prière. You say I'm going to prayers. Lis à nouveau. Read it anew. Ils disent au bois,
Tu es mon père. Ils disent au bois, tu es mon père, c'est toi qui m'as créé. They tell the wood, you are my father, you are the one who created me. Et à la pierre, tu m'as donné la vie. Ça veut dire qu'ils adorent les arbres et les rochers. That means they worship the trees and the rocks. Car ils me tournent le dos, ils ne me regardent pas. Et quand ils sont dans le malheur, ils disent. Et quand tu as les problèmes. And when you have problems, tu viens, you come, et tu dis, and you say, lève-toi, sauve-nous. Lève-toi, oh Dieu, sauve-nous. Arise, oh Lord, and save us. Est-ce que Dieu a accepté ça? Qu'est-ce qu'il dit? Do God accept this? What is he saying? Où donc sont tes dieux? Dieu te pose la question, va, le bois va te sauver. God is asking you the question, go, let the wood save you. La pierre va te sauver. The stone will save you. Si tu ramènes ça à la vie pratique, if you bring it to practical life, si tu te prostitues, if you prostitute yourself, Dieu va te dire, God will tell you, va donc, go then, la prostitution va te sauver. Prostitution is going to save you. La prostitution va te guérir. Prostitution is going to heal you. Si tu bois la bière, if you drink beer, ou le kutuku, and kutuku, il dit, tu as dit que le kutuku est ton Dieu. You said that kutuku was your God. Va donc. Go then. Le kutuku va te sauver. Kutuku is going to save you. Lève-toi et viens. Stand up and come. Ne perds pas la vie pour rien. Don't waste your life for nothing. Ne perds pas la bénédiction pour rien. Don't waste your blessing for nothing. Nous allons prier. We are going to pray. Si tu restes assis, if you remain seated, tu as perdu. You've lost. Avec Dieu, on ne triche pas. With God, there is no cheating. Il connaît ton cœur. He knows your heart. Qui va venir? Who is going to come? Je vais commencer la prière. I will start the prayer. Levez vos mains. Lift up your hand. Dis Seigneur Jésus. Say Lord Jesus. Pardonne-moi tous mes péchés. Forgive all my sins. J'ai décidé ce soir. I have decided tonight. De donner ma vie. To give you my life. Je vais te servir. I will serve you. Je vais te suivre. I will follow you. S'il te plaît, Seigneur. Please, Lord. Pardonne mes péchés. Forgive my sins. Lave-moi dans le sang. Cleanse me in the blood. Lave-moi dans ton sang. Cleanse me in your blood. Oh Seigneur Jésus. Oh Lord Jesus. Pose la main sur ta tête. Lay your hands on your head. Seigneur. Say Lord. Je viens avec les maladies. I come with sicknesses. Et les blocages. And blockages. Et les oppressions. And oppressions. Oh, je prie Seigneur. Oh, I pray, oh Lord. Guéris-moi. Heal me. Guéris-moi. Heal me. De la tête jusqu'à la plante de mes pieds. From my head to the sole of my feet. Accorde-moi ton salut. Give me your salvation. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. J'accepte qu'on me sépare de la malédiction. I accept to be separated from curses. Qui règne dans ma famille. Which reign in my family. J'accepte aussi qu'on me sépare de la sorcellerie. I accept to be separated from witchcraft. Qui est pratiquée dans ma famille. Which is practiced in my family. Et même dans ma belle famille. Or in my family-in-law. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Amen. Amen. Asseyez-vous derrière. Please be seated. Qui croit que Jésus était à la croix? Who believed that Jesus went to the cross? Et qu'il est mort à la croix? And that he died on the cross? Acclame pour Jésus-Christ. Clap offering to Jesus. Qui croit que Jésus pardonne? Who believes that Jesus forgives? Qui croit que Jésus guérit? Who believes that Jesus heals? Qui croit que Jésus délivre? Who believes that Jesus delivers? Qui croit que Jésus restaure? Who believes that Jesus restores? Acclamons pour Jésus. Clap offering to Jesus.
proclame qu'il est le chemin, proclaim la vérité, la vie. That he's the way, the truth, and the life. Le chemin, that la vérité, he's the way, the truth, and the life. Le chemin, la vérité, la vie. The way, the truth, and the life. Proclame. Proclaim. Qu'il est le docteur, le gardien de nos âmes. That he's the doctor, the keeper of our soul. Jésus Christ. Jesus Christ. Et le gardien de mon âme. He's the keeper of our soul. Jésus Christ. Jesus Christ. Et le gardien de mon âme. He's the keeper of my soul. Jésus Christ. Jesus Christ. Et mon docteur. He's my doctor. Jésus Christ. Jesus Christ. Et mon berger. He's my shepherd. Mon docteur. My doctor. Mon berger. My shepherd. Mon gardien. My keeper. Le gardien de mon âme. The keeper of my soul. Il est mort à la croix. He died on the cross. Je déclare. Say, I declare. Que par ses maîtrises, je suis guéri. That by his stripes I am healed. Je proclame. I proclaim. Que par ses maîtrises, that by his stripes je suis guéri. I am healed. Je suis guéri. I am healed. De toutes sortes de maladies. From every kind of sicknesses. Les petites maladies. The little sicknesses. Les grandes maladies. And the big sicknesses. Jésus les guérit. Jesus heals them. Jésus guérit. Jesus heals. Jésus délivre. Jesus delivers. He restores. He restores. Clap offering for Jesus. Did Jésus ressuscite les morts? Did Jesus raise the dead? Jésus est Dieu. Jesus is God. Il est digne. He is worthy. Des louanges. Of praises. De la puissance. Let la the power, the glory. L'honneur. The honor. La richesse. The riches. Sont à lui. Be unto him. Pose les mains sur ta tête. Lay your hands on your head. Seigneur, rajeunis mon être. Say, Lord, renew my being. Rajeunis mes organes. Renew my organs. Continue à prier en langue. Keep praying in tongues. Seigneur, rajeunis mes cellules. Say, oh Lord, regenerate my cells. Continue à prier. Keep praying. Continue à prier. Keep praying. Oh Père, say, oh Father, guéris, heal ceux qui sont nés avec certaines maladies. Those who were born with certain sickness, guéris-les maintenant. Heal them right now. Oh Seigneur Jésus, say, oh Lord Jesus, guéris tous ceux qui sont nés avec certaines maladies. Heal all those who were born with a sickness. Guéris tous ceux qui sont nés avec certaines maladies. Heal all those who were born with a sickness. Brise ce joug. Break that yoke. Brise ce joug. Break that yoke. Donne-leur le repos. Give them rest. Donne-leur le repos. Give them rest. Continue à prier. Keep praying. Thank you.
Continue à crier à Dieu. Keep crying out to God. Il va intervenir. He must intervene. Il peut toucher ton cœur. He can touch your heart. Il peut toucher tes poumons. He can touch your lungs. S'il y a un trou dans ton cœur, il peut fermer ce trou. If there is a hole in your heart, he can close up that hole. Il peut visiter ton cerveau. He can visit your brain. Oh Père. Say, oh Father. Guéris. Heal. Si c'est un problème de cœur, guéris. If it is an issue of the heart, heal. Si c'est un problème de cerveau, guéris. If it is a problem of the brain, heal. Si c'est un cerveau, un problème de poumon, guéris. If it is a lung problem, heal. Oh, guéris. Heal. C'est au niveau des yeux, guéris. If it's at the level of the eyes, heal. C'est au niveau des oreilles, guéris. At the level of the ears, heal. C'est au niveau des narines, guéris. At the level of the nostrils, heal. C'est au niveau des dents, guéris. At the level of the teeth, heal. Guéris, Seigneur. Heal, oh Lord. C'est au niveau de la vessie, guéris. If it's at the level of the bladder, heal. C'est au niveau de l'utérus, guéris. If it is at the level of the womb, heal. C'est au niveau des ovaires, guéris. If it is at the level of the ovaries, heal. C'est au niveau des trompes, guéris. If it is at the level of the fallopian tubes, heal. Oh Père. Oh Lord. Oh Père. Oh Lord. Agis. Act. Agis. Act. Remplace les organes s'il faut remplacer. Replace the organs that need to be replaced. Remplace les appareils de reproduction. Replace the reproductive system. Remplace pour les hommes. Replace for the men. Remplace pour les femmes. Replace for women. Remplace pour les hommes. Replace for the men. Remplace pour les femmes. Replace for the women. Oh Père. Oh Lord. Prions en langue. Let's pray in tongues. Tu peux garder les mains sur ta tête. You can keep your hands on your head. Ou bien tu peux poser la main là où tu souffres. Or you can place your hand where you're suffering. Tu peux garder les deux mains sur ta tête. You can place both hands on the head. Ou bien tu poses une main là où tu as mal. Or you place your hand where you feel the pain. Nous allons parler à la maladie même. We are going to speak to sickness itself. La maladie a des oreilles. The sickness has ears. Les arbres ont des oreilles. Trees have ears. Les montagnes ont des oreilles. Mountains have ears. Il a dit que si tu parles à la montagne. Jesus said, if you speak to the mountain. C'est Dieu qui sait comment il convertit ta voix. God knows how to convert your voice. Dis maladie. Say sickness. Des choses de mon corps. I cast you out of my body. Tu connais le nom de la maladie. If you know the name of the sickness. Tu dis son nom. Call his name. Tu peux dire paludisme, sors de mon corps. Say malaria, get out of my body. Va-t'en. Be gone. Va-t'en. Be gone. Chasse-le au nom de Jésus. Call in the name of Jesus. Chasse-le au nom de Jésus. Cast him out in the name of Jesus. Je déclare. I
Say, I declare que mon corps appartient à Jésus. That my body belongs to mon Jesus. Corps est le temple du Saint-Esprit. My body is the temple of the Holy Spirit. Mon corps n'est pas le temple des démons. My body is not a temple of demons. Il n'est pas le temple des maladies. It's not a temple of sicknesses. Il est le temple de Dieu. It's the temple of le God. Temple du Saint-Esprit. It's the temple of the Holy Spirit. Va-t'en, maladie. Be gone, sickness. Va-t'en, cancer. Be gone, cancer. Cancer, va-t'en. Cancer, be gone. Fibrom, partez. Fibros, go. Diabète, va-t'en. Diabetes, go. Va-t'en. Be gone. Insuffisance rénale, va-t'en. Kidney failure, be gone. Paludisme, va-t'en. Malaria, be gone. Il sait, va-t'en. Ulcer, be gone. Prie en langue. Pray in tongues. Dis hépatite, va-t'en. Hepatitis, be gone. C'est toute forme d'hépatite, partez. Any form of hepatitis, be gone. Partez. Be gone. Prie en langue. Pray in tongues. Anémie sévère, va-t'en. Severe anemia, be gone. Fièvre, va-t'en. Fever, be gone. Fièvre typhoïde, va-t'en. Typhoid fever, be gone. VIH/SIDA, va. HIV AIDS, go. Va-t'en. Go. Prie en langue. Pray in tongues. Dysunisite, va-t'en. Say sinuses, be gone. Continue à prier en langue. Keep praying in tongues. Guru bakashara ga 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 va-t'en. Colonne vertébrale. Spinal cord. Redresse-toi. Straighten up. Et que les vertèbres soient guéries. And let the vertebrae be healed. Redresse-toi, redresse-toi. Straighten up, straighten up. Continue à prier. Keep praying. Esprit de cécité. Spirit of blindness. Begun. Que celui qui ne voit pas regarde et voit. Let the one who doesn't see look and regarde see. Et voit. Look and see. Regarde et voit. Look and see. Continue à prier en langue. Keep praying in tongues. Ora bakasara bakara. 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 Que celui qui n'entend pas entende au nom de Jésus. Let the one who doesn't hear, yes, in the name of Jesus. Qu'il entende. Let him hear. Que ses oreilles s'ouvrent. Let his ears open. Au nom de Jésus-Christ. In the name of continue Jesus. À prier en langue. Keep praying in tongues. Uriya bakasaka rabaku saka bakasaka baka ura bakasaka rabaka hubaka assieds-toi, tu te calmes. Sit down and remain calm. 10 personnes pour leur témoignage. 10 people for their testimonies.
Gloire à Dieu. Et je suis le frère Seka Baudouin. J'ai pour faire ici maman Colette Meunier. Je voulais être infiniment reconnaissant au Seigneur de ce que le Seigneur m'a délivré ce soir du mal de cœur. Et hier, j'ai failli passer par la mort. Et les frères de l'accueil installation, sincèrement, ont crié à Dieu pour me ramener à la vie. Et quand je me suis réveillé le matin, j'ai reçu des séquelles au niveau de mon cœur. Je ne sais pas s'il y avait eu un dépôt au niveau de mon cœur, mais depuis hier qu'aujourd'hui, mon rythme cardiaque a baissé. Je me sens très faible, je ne peux pas faire de grands mouvements. Même tout à l'heure, je ne pouvais pas prier fortement. Ce matin, au service, je suis rendu en cardiologie. J'ai voulu aller voir le cardiologue et j'ai reçu que je tente de mémoriser la puissance du Seigneur en pleine croisade. Et j'ai laissé tomber, je suis venu à la croisade. Et pendant qu'on priait, je ne sais pas pourquoi le pasteur Meunier insistait sur le cœur, mais il est tenté de parler de mon sujet. Alléluia! Et ce soir, le Seigneur m'a guéri. Je me sens totalement libéré. Mon rythme cardiaque va normal. Je le tiens infiniment reconnaissant au Seigneur. Je lui dis vraiment merci pour la guérison qu'il m'a accordée. Que l'honneur et la gloire lui reviennent. Au nom de Christ. Amen. Gloire à Dieu. Et je suis la sœur Nguessan Rachel. Et mon frère, c'est le pasteur Babatunde Nathanaël. Frère, je veux bénir le nom du Seigneur pour ce soir. Alléluia. Frère, pendant que nous sommes en train de prier, je vous dis la vérité. Tout à coup, j'ai eu une vision où un cobra s'est arrêté comme ça dans une salle et m'avait fixé. Frère, j'ai crié Jésus-Christ. Au même moment, le pasteur m'a dit que s'il y a un collègue a mis un serpent dans ton bureau, nous le chassons. En même temps, le feu est descendu dans la propriété de la salle. Alléluia. Vraiment. C'était réel. Acclamation à Jésus-Christ. Clap and bring to Jesus Christ. Je veux dire merci au Seigneur pour cette délivrance qu'il a accordée à cette personne qui a ce bureau. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Kouadiane, disciple du pasteur Meunier. Le Seigneur a vraiment travaillé ce soir. Je voudrais commencer par le début, ce que le Seigneur m'a permis de voir. Nous avons commencé par chasser les esprits qui résistaient encore. Et à ce niveau-là, le pasteur a demandé que tous ces esprits-là soient divisés et que leur prison soit renversée, détruite. Et j'ai vu vraiment une prison. C'est comme si on avait dynamité cette prison. Elle s'est écroulée. Elle s'est écroulée, cette prison. Et tous les captifs sont sortis. On a cassé les tombes. Et les tombes se cassaient au fur et à mesure. Les cercueils se cassaient, volaient en éclats pour faire sortir les gens, pour faire sortir tous les captifs. Et quand on est arrivé sur les esprits, comment on les appelle, les maris de nuit. Quand on est arrivé sur les maris de nuit, je voyais les maris de nuit quand on a commencé à les chasser, à les juger. Il y avait des maris de nuit qui sortaient. Et au fur et à mesure qu'ils sortaient, ils enlevaient leurs bagues. Ils avaient des bagues aux doigts qu'ils enlevaient, qu'ils jetaient. Ils jetaient les bagues et ils se sont enfuis, ils sont partis. Et le pasteur a demandé, a ordonné qu'on arrache, qu'on récupère tout ce qu'ils nous ont volé. Et nous avons récupéré, c'était des cantines et des cantines qui s'entassaient dans les maisons des personnes où vraiment qui avaient ces maris de nuit. Beaucoup de cantines, ces objets qu'on avait retirés étaient entassés dans des cantines qui étaient envoyées dans les régions de ces personnes-là. Et le pasteur a demandé qu'on prie pour que les mariages, les vrais mariages soient restaurés, qu'il y ait vraiment de véritables mariages. Et sur là, le long... Là où sont les semeurs, il y a eu beaucoup de personnes en tenue de mariée. Il y a eu de nombreuses personnes, des femmes, qui étaient en tenue de mariée depuis là jusqu'au bout. Et dans les régions, beaucoup de mariages étaient organisés dans toutes les régions spirituelles. Partout, des mariages étaient organisés partout. Alléluia. Et concernant les serpents, quand on a commencé à juger les serpents, j'ai vu le pasteur a insisté sur des pitons. J'ai vu là deux serpents. Il y a un qui était gros et l'autre était moyen. Ils sont sortis
et ils sont partis par là. Alléluia. Et quand nous avons commencé à prier pour les maladies, pour les guérisons, quand on a commencé le combat, il y a des anges qui sont sortis là, deux rangées d'anges là et là, et ils se sont tenus devant les... Ils se tenaient au début, ils étaient devant les bâches, devant les bâches, pour prier pour nous, pour prier, pour prier. Puis après, ils sont rangés, ils sont rentrés dans les rangées. Au fur et à mesure que le pasteur donnait les différents sujets de prière, ils priaient pour nous. J'ai vu une image, quand on a dit veillez à Sida, ceux qui, s'il y a des Sidéens parmi nous, s'il y avait des Sidéens, leur sang était tamisé au fur et à mesure que nous prions, que nous donnons ces différents sujets. Je veux dire merci au Seigneur. Vraiment merci au Seigneur qui à travailler pour nous ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Léontine Beaumont. Mon faiseur des disciples, c'est missionnaire Yao Kwadio Francis de Kotobi. Je vais dire infiniment merci à Dieu ce soir. Faut que pendant qu'on priait, où on arrivait sur les serpents pour juger les serpents, j'ai vu un gros serpent qui était dans un sac de farine. C'était gros, moi mais j'ai eu peur. Et quand on a commencé à prier, le serpent est sorti, il a emballé un pied de quelqu'un. Il était emballé, même nos pieds, on ne voit pas. Et quand on a commencé à juger, c'est comme le serpent est sorti de pied de frère et il allait où on va au WC là-bas, il est monté en haut et il est tombé dans le trou. Vraiment, il veut dire infiniment merci à Dieu. Et deuxième vision que j'ai vue, où on insistait sur le mariage, que les vrais mariages viennent. Et j'avais vu qu'il y avait une grande montagne, que j'étais au trou là-bas. Et puis, il y a un monsieur qui était bien sapé, il était mince, il était bien sapé, et il a monté sur le côte, il a monté, quand il allait me faire sortir dans le trou. Vraiment, il a dit infiniment merci à Dieu, à toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Vraiment, je voulais dire merci à Dieu qui m'a délivré des maux de tête. Vraiment, depuis l'âge de 5 ans, quand je partais à l'école, je ne comprenais rien. Quand je lis mes leçons, vraiment, c'était difficile. Quand je vais forcément réfléchir, ma tête me fait mal. Vraiment, ce soir, Dieu s'est glorifié. Pendant qu'on priait, et papa a dit, on n'a qu'à arracher tout ce que le diable nous a volé. J'ai dit, toi démon qui a volé mon intelligence, je t'arrache au nom de Jésus. Et il m'a remis, il a dit, tiens, je te donne ton intelligence au nom de Jésus-Christ. Je le remercie au nom de Jésus. Amen. Bonsoir, mon nom c'est Kramo Amoué Valentin. Je dis merci à Dieu parce qu'il m'a guéri de palu hier. Hier toute la journée d'hier, ça n'allait pas chez moi. Il y a ma soeur qui voulait me conduire où on prie pour les gens. Il a dit non, si je vais là-bas, je ne vais pas pouvoir prier. Donc, je suis restée. Maintenant, ça n'allait pas, même tout mon corps me faisait mal. Je ne pouvais même pas être debout, même pour chanter, pour prier. Donc, quand la prière a commencé, je me suis levée. Et puis, on a commencé à prier. Et quand on a fini la prière, j'étais guérie. J'ai dit merci à Dieu pour cette guérison. Amen. Gloire à Jésus. Acclamons Jésus-Christ. Clap offering to Jesus. Tout à l'heure, j'ai rendu un témoignage où il dit le dragon a mis de l'argent. Mais tout à l'heure, quand papa était en train de prier, j'ai vu que l'argent que le dragon avait rendu, là, l'argent était encore assez, c'était encore là. Donc, quand papa a dit que cet argent-là, ça revient physiquement dans la main ça nous soit restitué et qu'on puisse les dépenser physiquement. J'ai vu cet argent-là en train de rentrer dans nos familles. C'est rentré même dans la maison de mon cousin, chez mon deuxième oncle, chez ses enfants. Mes grands frères qui étaient à Bugan, tout cela, ça est venu chez eux. Chacun prenait pour lui. Mes neveux, chacun avait pris sa part. Vraiment, je vais dire merci à Dieu parce qu'on a récupéré tout ce qui était resté. Acclamation à Jésus-Christ. Clap offering to Jesus Christ. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Ngetia Kosua Vanessa. Mon faiseur de disciples, c'est la sœur Anne Kofi. J'aimerais dire infiniment merci à Dieu. Lui qui m'a délivré au travers le témoignage de la sœur Kwao. Pendant qu'elle était en train de rendre le témoignage, mon doigt a commencé à me serrer fort. Mais lorsqu'elle a fini, ça continuait. Mais quand on a commencé à prier pour les maris de nuit, la douleur a cessé. J'aimerais dire infiniment merci à Dieu pour cette délivrance. Amen.
Gloire à Dieu. Je me nomme Adopo Sopi Juliette. Je professeur pasteur Cripe d'Agamé. Je veux dire merci à Jésus-Christ. Au moment hier, au moment où papa disait qu'on n'a pas pardonné le péché de nos familles paternelles et maternelles, je me suis agenouillée sincèrement et j'ai commencé à soupirer Dieu. Parce que physiquement, on m'a dit que mon arrière-arrière-grand-père a fait beaucoup de choses. Dis ce qui s'est passé à la prière. Et hier, je me suis agenouillée. J'ai commencé à supplier Dieu. J'ai commencé à supplier Dieu et mon arrière-grand-père a commencé à pleurer. Pleurer qu'il a fait beaucoup de choses qui n'est pas agréable à Dieu. Il a fait du mal à son prochain. Et Dieu m'a dit non, que c'est à cause de mon arrière-grand-père. Arrière-grand-père, mon arrière-grand-père, qu'il nous a maudits. Attends, il nous a maudits. Attends d'abord. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir quand on priait? What happened this night when we prayed? Ça s'est passé au moment quand je priais, il pleurait. Ce soir, pas hier. C'est hier. Hier là. Non, c'est pour hier. Maintenant pour aujourd'hui là. Aujourd'hui, au moment où papa priait pour les esprits de mort, j'ai commencé à bâiller. Et quand il priait encore pour les maris de nuit, j'ai commencé à bâiller. Donc, je vais dire que Dieu m'a délivré de l'esprit de mort, de l'esprit de sorcellerie, de l'esprit de pauvreté, de toute pauvreté de ma famille. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Je suis le frère Divan. Je viens du Congo-Brazzaville. Et j'ai pour faiseur de... Rapproche le micro de la bouche. Je dis que je suis le frère Divan. Je viens du Congo-Brazzaville. J'ai pour faiseur de disciples le frère Karin du Congo-Brazzaville aussi. Je vais être infiniment reconnaissant au Seigneur, lui qui m'a guéri du mal de cœur. J'avais très mal au cœur au moment de prier. C'est comme si on était en train de battre avec un marteau ou comment ça me faisait très mal. Et quand Papa Mignard a commencé à dire de prier pour briser, j'ai brisé. Et puis j'ai vu en vision une genre de chaîne qui me reliait à une personne qui était dans mon quartier, qui me tenait avec cette chaîne-là. Et quand on a commencé à briser pour briser les chaînes, j'ai brisé, la chaîne s'est brisée. Et je n'ai plus senti ce mal de cœur là. Et encore en vision, je vois quand papa a commencé à dire de prier pour les démons de maladie. J'ai vu en ligne plusieurs démons qui étaient en train de sortir et courir. Et ils sont rentrés dans la terre, ils ont fui dans les profondeurs des abîmes. Et il y avait des anges qui étaient placés là, qui ont béni toutes les personnes qui étaient dans le site. Avec une onction. Amen. Acclamation à Jésus-Christ. Clap offering to Jesus Christ. Alléluia. Moi, je suis la sœur Jennifer. Mon frère disciple, c'est le pasteur Bou. Tout à l'heure, quand on priait, avoir dit ma famille est une grande famille d'idolâtres. Voilà. Donc, tout à l'heure, quand papa parlait de l'idolâtrie, si nous avons adoré des idoles, que nous leur avons donné des choses, nous devons les récupérer. Et j'étais en train de récupérer toutes les richesses et j'étais en train de chasser les démons. Chasser les démons, je vois un vieux qui avait un sac boros sur son dos. Et c'était des trucs gâtés qui étaient dedans. Et il partait. Et après ça, quand on a commencé à prier pour les maris de nuit, je vois un gros caïman qui sort et qui s'en va. Je vais bénir le nom de Dieu qui vient de me délivrer au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Moi, je suis la sœur Koma Désiré, Chantal, et mon frère Papa Koudou de Yopougon. Je vais dire merci à Dieu. Quand on priait tout à l'heure, papa a dit esprit de moi, je suis jumelle. Et quand maman nous a mis au monde, l'autre est parti. Et quand l'autre là partait, il me disait que, viens, on va partir, il ne faut pas rester dans le monde là. Il faut venir partir. Et moi, je lui disais que je ne vais pas. Il faut partir, moi je vais rester. Et l'autre est décédé, elle est partie. Et comme tout à l'heure, papa priait, mon nombril me grattait. Je dis, mon nombril me grattait. Quand il a parlé d'esprit, de jumelles,
Et mon nombril me grattait jusqu'à ça arrivait en bas. J'ai gratté fort fort. Et quand papa a fini, ça n'allait pas. Ça ne va même pas même. Je suis partie voir les frères. Il dit, ah, papa a abordé le sujet de l'esprit de jumelles là, ça ne va pas dans mon corps. Et quand je suis partie, les frères ont prié pour moi. Depuis très petit, maman m'a adoré jusqu'à j'ai grandi. Elle va faire les foufous, elle va faire manger, elle va les déposer. Elle dit, c'est pour mes jumelles. Elle dit, quand elle se va déposer là-bas, après, elle va dire, va prendre à manger. Quand elle se va, elle dit, maman, qui mange le truc là-même? Un jour, je suis partie, j'ai vu, c'est gratté, gratté. Elle dit, maman, c'est les souris, on mange. Elle dit que ce n'est pas les souris. Elle dit, c'est les souris qui mangent. Elle dit que c'est mon derrière qui mange. En tout cas, les esprits me suivaient. Et quand tout à l'heure, les frères ont prié pour moi, l'esprit s'est manifesté. Et l'esprit est parti. Donc, je veux dire merci à Dieu qui m'a délivré de l'esprit de jumelles. Au nom de Jésus. Amen. Pose les mains sur ta tête. Lay your hands on your head. Que je me cache sous le sang de Jésus. Say, I hide myself under the blood of Jesus. Qu'aucun démon ne me suive. Let no demon follow me. Qu'aucun esprit n'aille chez moi à la maison. No spirit go to my house. Que tous les démons chassés. Let all the demons that have been casted out. Partent chacun en son lieu. Go to his dwelling. Selon les desseins et la sagesse de Dieu. According to the purposes and the wisdom of que God. Ma vie, ma maison soit libre. May my house and my life be free. Partout où je travaille, si c'est au champ ou bien au bureau, libre, libre, wherever libre. Wherever I work, in the office or in the field, free. Ou bien au marché. Or in the market. Que personne ne te suive. Let no one follow you. Au nom de Jésus-Christ. In the name of que Jesus. Ce qui a été bâti dans ta vie. Let what has been built in your life. Jamais renversé. Be never overthrown. Que ce qui a été renversé dans le camp du diable. That which has been overthrown in the camp of the devil. Plus jamais, jamais rebâti. Be never rebuilt. Au nom de Jésus-Christ. In Jesus' name. Amen. Amen.